Atlas emmène les joueurs demain, en fait, un jour avant le match, enfin, non, 2 jours avant pour que la préparation soit meilleure pour eux, donc tant mieux. Ouais, Tant pourquoi pas. mieux. Et puis après, mais voilà, mais ouais, un peu frileux quand même hein, sur la préparation. Allez, let's go. Normalement, sur Twitch, ça a démarré aussi. Normalement, j'ai le retour du flux. Donc, on devrait être cool. N'hésitez pas, hein, les amis, si vous voulez intervenir, comme d'habitude, soit directement via le hashtag SpaceACS, ou alors directement, vous prenez le micro, vous êtes les bienvenus. Effectivement, donc tu fais bien moi de parler de la Let's go. Juste sur Donc la grignitude, tu t'es il y a trompé sur bien. le hashtag. C'est hashtag la grignitude, t'as dit un autre hashtag. J'ai T'as mis dit quoi? la Space A... Acte ceinture. T'as dit un autre hashtag, mais t'as. J'ai marqué Space Ah, t'as dit un Lagrinity. autre en oral. À l'oral, t'as dit autre chose. J'ai entendu autre chose. Est-ce que t'as dit Oui, Actu il a dit Sainté? Actu Saté. Yes! C'est pas grave, Lagrine, c'est pas grave. Ça nous fait de la pub, let's go. Excusez-moi. Pas sûr que je sois le bon plan en termes de pub en ce moment, Non, mais on s'en fout de ça, mais mais tranquille. ouais. Ça nous fait de la pub quand même. Bah écoutez, en tout cas, voilà, on va se lancer, on va commencer ça tranquillement. Si mon ordi arrête de me faire des blagues, et voilà, parfait. Donc, je récupère mon petit programme qui est ici, que je vais avoir sous les yeux, normalement. Hop, Mais tu hop. sais, tu peux revenir hein, si tu veux. Hein. Moi, je te veux, hein, mon gars. Je pense qu'il devait y avoir que toi. C'est vrai. C'est déjà pas mal, non? Ouais, toi, tant que j'ai le goat, moi, ça m'a, Parfait, parfait. c'est bien pour moi. Donc, ouais, donc comme je disais, donc, voilà, on se fait un petit bilan sur la préparation. Donc, les Verts, donc, 5 matchs de prépa. Une première victoire encourageante face à Thonon 3-0. Derrière, donc, on a eu une victoire face au Puy C'est ça. 1-0, un match nul, un partout face au GF38. Derrière, on fait un match nul face au Girondins de Bordeaux et on prend un 4-1 du côté de d'Angers. J'en profite pour souhaiter le bonsoir. Ah, le son est un peu bas du côté de Twitch, on me dit. Hop là. Voilà. Là, normalement, tu devrais être pas mal là au niveau du son sur Twitch. Normalement, là, on est bon. J'en profite pour souhaiter également le bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes sur le Twitch et souhaiter le bienvenu à Adriax. Alors justement, quel bilan ressortir un petit peu de cette préparation? Quels sont pour vous les joueurs, notamment enfin, les joueurs intéressants, les joueurs que vous voulez plus voir dans cet effectif? Est-ce que vous avez réussi à dégager peut-être un 11 pour Bordeaux? Je sais que le progrès, notamment, nous a sorti un 11 intéressant. Ouais. Comment vous voyez ça? Non, non, le 11 du progrès, en plus, Ouais. j'en ai parlé hier soir avec J'ai eux. pas vu le 11 du progrès, c'est intéressant. Ah, si, si, ils ont fait, le progrès a fait un 11 et ils sont même passés hier, en fait, hier soir, ils sont passés. Il y avait deux journalistes du progrès avec moi et on a pu en parler de cette compo et c'est vrai qu'elle est hyper cohérente, la compo qu'ils ont fait. Je vous la donne dans un petit instant. D'abord, je Ouais, vais s'il écouter la te vôtre, comme plaît. ça, je ne vais pas vous influencer, en fait. Vas-y, Squash, je te laisse commencer. Alors, au niveau du ratio, on va dire que sur la préparation, ça reste correct parce qu'on n'a qu'une seule défaite, lourde défaite, mais ça reste correct. Tu fais 2 victoires, 3 matchs nuls. Maintenant, ce qui m'interpelle, moi, c'est ces fameux 3 matchs nuls contre des équipes qui, normalement, ça devrait être de notre niveau, entre guillemets, avec, entre parenthèses, Angers. Grenoble, c'est censé être de notre niveau parce que c'est une équipe de Ligue 2 et Bordeaux, du coup, c'est censé être de notre niveau. C'est une équipe de Ligue 2 aussi. Maintenant, sur ces 2 matchs, encore une fois, et même 3 avec Angers, on se retrouve sur 3 matchs où on a des équipes différentes, la première équipe et la deuxième équipe. Sur le match de Angers, plus particulièrement, la deuxième équipe, en fait, elle est rentrée dans les 10 dernières minutes du match, notamment avec les 3 défenseurs. Alors, Silva est rentré, Mukudji est rentré, et le dernier, je ne sais plus si quelqu'un l'a. Le dernier entrant face à Angers. Ouais, c'était en défense. Parce que c'est la défense qui nous a plombé concrètement En contre fait, tu as Angers. Mukudji qui Il y a rentre. Mukudji qui rentre et on se prend 3 buts. Je dis pas que c'est sa faute, mais on se prend 3 buts. Mais Enfin, oui, bah après, il. Batless, il ne s'est pas caché d'allumer les entrants. Ah oui, oui.
Bien sûr, mais enfin voilà, on est plombé dans les lits Ah, d'un. ça c'est sûr, ouais. Maintenant, Bordeaux, l'esprit d'équipe, il était présent en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était pas du tout ça. Surtout J'ai que la plutôt vu première l'inverse, mi-temps. moi. Enfin, j'ai vu 20 bonnes minutes stéphanoises en première mi-temps. Allez, on va dire 15. 15 minutes intéressantes stéphanoises. Et après, tu t'es fait bouffer au milieu de terrain. Mais vas-y, je te laisse. Et le but d'ailleurs de Bordeaux est très joli. Et d'ailleurs, big up aux Bordelais, quand même, qui ont été validés pour la Ouais, Ligue 2, il faut le à rappeler. souligner, oui. Donc voilà, après, voilà, globalement, c'est une bonne préparation. On a pu voir des jeunes, notamment Gauthier. On a malheureusement aussi la blessure de Chambaud. Dylan. Donc ça, c'est. Par contre, C'est ça embêtant. on va se tirer. Ouais, c'est Enfin, embêtant. c'est embêtant, ouais. C'est embêtant. Mais globalement, ouais, c'est une bonne préparation, mis à part ce qui vient, voilà, ce qui vient endommager tout ça un peu, bah, c'est le Angers. C'est le match contre Angers qui n'est pas beau à voir. Mais sinon, c'est une bonne préparation. Mais je reste frileux quand même par rapport au match qui va venir ce week-end. Puisque quand on affronte donc deux équipes qui sont censées être de notre niveau et qu'on présente deux visages différents, bah malheureusement la Ligue 2, ça passera pas. Donc faut vite trouver un 11 cohérent. Et puis voilà. Après, en ce qui concerne du 11, globalement, j'espère voir les recrues quand même. J'espère vraiment voir les recrues titulaires, mis à part Chambos qui est blessé. Mais il Donc, faut cinq aligner les recrues pour la recrues. sélection actuellement. Bah, il faut voir les waves, bah, il faut les 5 recrues. Maintenant, le 11, je suis désolé, je ne peux pas te le donner comme ça, ni le dispositif, mais moi, j'espère voir les recrues, quoi. Les 5 recrues débuter le championnat, comme ça, on débute bien. Ok. Avant de te faire la passe D, Louis, j'en profite pour faire un tout petit tour du côté du chat. Donc, effectivement, beaucoup nous disent, enfin, il y a Adriax qui nous dit. On veut plus de Moukoudi. Jérémy Saint-42 qui nous dit Moukoudi, il faut le vendre en deux yeux. Fredo qui nous dit bonsoir, je retiens surtout que je veux plus voir Moukoudi avec le maillot vert. D'habitude, je respecte tous les joueurs, mais là, c'est trop. En plus d'être un sacré chat noir, il n'a pas le niveau. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça, mon ministre? Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour Moukoudi, pardon, j'arrive pas à prononcer son blaze, tellement que ce joueur me désespère, on va dire. Parce qu'on va pas, on va pas se le cacher tous, mais voilà, Moukoudi, pour moi, il faut qu'il parte de Saint-Étienne. Faut dire la vérité, il faut qu'il parte Saint-Étienne parce que voilà, à un moment, il avait retrouvé un peu de niveau, mais là, depuis cette série noire qui le poursuit. Je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est à peu près, je sais pas combien de matchs pour aucune victoire. Les gars, si vous pouvez dire la stat exacte sur le hashtag, je voudrais bien. Mais voilà, Moukoudi doit partir sur le champ, si je puis dire. Après, de toute façon, il ne sera pas retenu Non. et c'est aucune victoire en 26 matchs. 11 nuls, 15 défaites. Voilà. En tout cas, au vu des, enfin, au niveau de la vue des supporters qui se sont déplacés là-bas à Angers. Ça se voyait sur son visage hein, qu'il est plus dans le truc en fait. Beaucoup dit il est plus dedans. Effectivement, ouais, t'as raison. Il est plus dedans. Donc Ça, apparemment, il est aussi en surpoids. Enfin, c'est quand même assez compliqué ouais, pour effectivement, on avoir. parlait de Ah, surpoids on vous aussi. a On parlé de parlait de surpoids. surpoids. Bah, génial. Bonne nouvelle. Ouais, Si, surpoids. apparemment, il est pas, enfin, il est loin de surpoids, ça, en fait. Alors, nous concernant, on commence bien avec une équipe mais, qui est loin de jouer notre championnat, qui est au nom. On joue une division, donc une équipe, enfin, on joue une équipe d'une division au-dessus, on fait une petite victoire, où on n'a pas été, c'est pas été fou. Derrière, on fait un match nul contre Grenoble, donc une équipe de championnat. On fait un match nul contre Bordeaux, une équipe de notre championnat. On l'a appris aujourd'hui, et d'ailleurs, je suis très heureux pour les Oui, Girondins. qui sont maintenus en Ligue 2, que la FFF C'est en ça. validé. C'est ça. Et tu perds face à Angers, Angers. équipe de Ligue 1. Équipe de Ligue 1, équipe qui jouera certainement le maintien cette année. Excusez-moi. Maintenant, alors, on a vu des choses se mettre en place, notamment le fameux 3-6-1 de Laurent Bien Marquez, sûr. trois défenseurs, un milieu à losange, deux pistons offensifs et une pointe. On l'a vu essayer des choses, on a vu vraiment beaucoup l'effectif tourner aussi, donc ce qui n'a pas forcément apporté une vraie stabilité. Mais c'est le but aussi, c'est de donner le temps de jeu à tout le monde.
Moi, maintenant, ce que je peux dire là-dessus, éventuellement, pour en avoir parlé hier avec avec le Progrès, notamment. Apparemment, voilà, les joueurs ont eu une grosse, grosse préparation physique qu'il fallait la digérer. Et qu'ils étaient plus dans une optique de reprendre le rythme plutôt que essayer absolument de faire des résultats positifs, etc. Même si, bien évidemment, une préparation avec des victoires, c'est bien meilleur. Les joueurs en sont conscients, le coach Vatès aussi. Là, apparemment, voilà, on va avoir l'équipe petit à petit qui va monter en En puissance, ouais. puissance. Exactement. Et là, on va commencer à avoir un autre style de jeu, un peu plus rapide, avec un peu plus d'intensité, apparemment. Donc ça, c'était une première chose. Effectivement, on a vu des choses aussi intéressantes du côté des jeunes, notamment le petit Gauthier, le petit Akik, oui, Aikin, bien sûr. Calauda, Rivera, Oui, Rivera, ouais, bien sûr. pour ne citer que. Pour ne citer que, je sais que j'en oublie. Ça a été intéressant. On a vu un maçon faire du maçon. Enfin voilà, un coup, il faisait des choses intéressantes. Un Il faisait des coup, coups il moins tombait dans bien, sa ouais. trappe. C'est ça, tout à fait. Un Zaïdou Youssouf aussi, c'est très compliqué pour Zaïdou, cette préparation. Donc voilà. Donc, c'est vraiment assez mitigé. Après, je ne veux pas forcément m'appuyer. Faire un bilan en fait, enfin m'appuyer sur la prépa et me dire ouais, parce qu'on a fait telle prépa, on prend forcément une mauvaise saison ou un mauvais début de championnat. Il va falloir prendre des points vite. Les joueurs en sont conscients. Les joueurs apparemment sont ultra motivés pour jouer à la montée. Pour eux, voilà, ils entament cette saison pour remonter. Eux, ils ont ça dans la tête. L'objectif pour eux dans leur tête, c'est on fait tout pour faire remonter Saint-Étienne dans une saison. Bon courage à eux. Après, ouais, ils disent de jouer le maintien. Ils demandent là, on est d'accord, jouer le d'être promu, de pas être champion, on est d'accord. Ouais, promu, ça leur Promu, suffit. ok. Parce que, ouais, parce que après, que comment vous dire, c'est que là, les gars, on a déjà 3 points au moins. Après, on a s'il n'y a pas d'autres débordements qui s'est passé contre Cher, Auxerre, on en prend encore 3. Parce que le pro. Tu dois la faire à la portugaise, ok. Voilà, parce que si, imaginons que contre Dijon, on gagne, là, ça veut dire qu'on sera même pas, on récupère nos points perdus, et que peut-être que la montée en Ligue 2, les gars, ça se fait pas en 10-15 points, là, ça joue à des points près. C'est ça le problème. Non, mais ça Là, fait si ça plaisir. peut, Non, mais ça fait plaisir. si ça peut rassurer, en tout cas, voilà. Les joueurs, apparemment, ils sont à Bah, tant fond mieux. et eux, ils y croient. Ouais, tant mieux. Eux, ils y Ça, c'est croient. positif, Eux, en bien tout cas, sûr. ils sont remontés comme des coucous et ils veulent, voilà, ils vont aller pour gagner, pour arracher tous les matchs, pour faire ce qu'il faut pour ramener à chaque fois les 3 points et pour tout faire pour remonter. Eux, en tout cas, c'est l'objectif-là qu'ils se sont mis. Alors après, attention, ça peut aller dans les deux sens. Si tu fais un mauvais début de saison, ça peut Oui, aussi ça peut coûter, donner un très mal patte. influencer, bien sûr. Par Voilà, contre, si c'est ça. Mais en tout cas, voilà. par rapport à l'intensité de la Ligue 2, si on commence à avoir des blessés, eh bah, ben, faudra revoir les ambitions, hein. Ah oui, bien Sûr, sûr. bien Les sûr, bien sûr, blessés, il y en a des en petits cours de coups. saison sans avoir ça, effectivement. Mais je peux revenir. La veine, je peux revenir à ce que je disais. Bien sûr, bien C'est sûr. que en fait, moi, je peux dire ce que je dis, mais ça me hype comme quoi que les joueurs sont ultra motivés pour la montée, c'est super. Mais après, voilà, le truc que j'ai peur, c'est que cette année, il n'y a que 2 promus. C'est ça, la veine? Il n'y en a que 2. Ouais, bien sûr, deux Voilà. promus, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a le premier et le deuxième et que la Ligue 2, ça joue à quelques points près. C'est ça qui me fait qui me laisse à désirer, si je puis dire. Ouais, Mais après. t'as raison. Bon, après, en général, la championne de France de Ligue 2 a quelques points d'avance, quoi. Oui, bien C'est sûr, pas bien un ou sûr. deux points d'avance qui va se Mais moi je te ressembler. parle là, moi je me dis dans ma tête qu'on sera pas champion, mais genre qu'on essaie de jouer de la deuxième place à fond et que on va peut-être pas l'avoir ou on va l'avoir, mais à quelques points près. Et que c'est à cause de ce retard de moins 3 points qu'on va peut-être pas l'avoir. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Comprends. Et voilà. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vois qu'on a aussi du Beaumont qui nous Oui, a et du moment, rejoint. il y a Vincent Du qui vient coup, d'arriver. Salut. on Bonsoir, a les gars. Vincent, il y en a Juan Et Luis. Juan Luis. Comment vous
Mais comment vous allez tous les deux? Allô, allô? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Non, on t'entend. Nickel. Comment tu vas? Ouais, j'ai mis mon casque et comme je suis pas sûr, au moins comme ça on est sûr. Non, attends, tranquille, nickel, ça, on t'entend parfaitement. Alors dis-nous, bah vas-y, est-ce que tu vas intervenir notamment sur cette préparation? Bah, la préparation, comme moi j'avais déjà dit, pour moi il y a pas, c'est pas quelque chose qui donne une influence sur le championnat. On a déjà vu Saint-Pé faire des très bonnes préparations et puis faire des très mauvais débuts de championnat. Maintenant, les recrues sont cohérentes. Maintenant, on a des joueurs qui sont clairement plus au club. Vous en parliez, Mukuji en fait partie. Ses stats sont vraiment pas bonnes. Je pense que le joueur lui-même se trouve poissard pour le club. Donc, c'est compliqué dans sa tête. Bien sûr. Zedou, depuis sa blessure, c'est plus le même joueur. Il manque de vitesse, il est moins concerné. C'est compliqué aussi pour lui. Donc je pense que de toute façon Zedou sera remplacé. Il sera utilisé s'il reste, il sera utilisé comme un remplaçant, mais pas forcément comme un titulaire. Et puis là, ce qui nous manque, c'est le 9, vraiment le 9 qu'il nous faut. Maintenant, contre Dijon, moi je vois, de toute façon, Laurent veut jouer avec une défense à 3, ça on l'a bien compris. Je pense qu'il va faire du solide. Après, je pense qu'il va associer Crasso et Banga en attaque. Peut-être Rivera en 10, puis voir. Il va jamais jouer avec deux pointes. Hein. Ah non, je sais qu'il n'est pas trop chaud pour ça, mais bon, là. Non, non, moi je te la donne la compo de Batless. Moi je te la donne la compo de Batless. Hein, et. Enfin voilà, c'est des personnes assez sérieuses qui en ont parlé. Et enfin voilà, c'est des personnes qui en ont parlé hier dans le space qu'on a fait. La compo, donc c'est Green dans les buts, défense à 3, donc de gauche à droite, Nadé Briançon et Nadé Briançon et donnez-moi un les gars. Bakayoko? Non, les deux recrues. Giraudon, Briançon. Voilà, Giraudon, Briançon, donc Nadé, Giraudon, Briançon. Milieu de terrain en 6, Louis Mouton. Ouais. Sauf si tu as un retour de Neyou. Mais en tout cas, numéro 6, Louis Mouton. Donc, dans ton diamant, là, en numéro 8 à gauche, tu as Madi Camara. Ton numéro 8 à droite, ça sera Zeydou Youssouf. Rivera en 10. Tes deux pistons, c'est Masson et Banga, et ta pointe, c'est Crasso. Donc, il va jouer en pointe, enfin, une pointe. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une, voilà. Ouais. Et ça, apparemment, c'est... Voilà. Après, il peut se passer encore des choses, ça peut bouger, mais en tout cas, c'est la compo, leur compo probable. Voilà, il y a et de l'info, et du bruit de couloir, et voilà, il y a aussi un petit peu de leur ressenti. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est la compo. C'est une compo probable qu'on peut voir face à Dijon ce week-end. Et franchement, est-ce qu'on peut faire mieux? Avec ce qu'on a actuellement? Non. Avec l'effectif qu'on a actuellement? Non, on ne peut pas. Je t'ai dit une bêtise. L'Aubry à la place de Youssouf. Je viens de recevoir un message. Pour moi, c'est pas une compo dégueulasse. Hein. Non, clairement. Il y a juste un peu devant. Il y a devant qu'on est frileux par rapport à Crasso. Mais bon, ça va se régler ce problème. Tranquille. Ouais. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir Crasso. Eh, les gars, Crasso avec un passeur comme l'Aubry, eh ben, j'attends de voir. Hein. Ouais. Mais j'attends de voir. Il suive, quoi. Mais Crasso, faut qu'il suive. Bien sûr. Mais voilà, un Crasso avec Silogri en 8 et Cafaro en 10. Cafaro, normalement, ne devrait pas être titulaire. Il est encore. Il n'est pas autant en forme qu'il a pu l'annoncer. Je me permets de répondre au niveau du okay. Chat où on me dit Lobry en 8 et Cafaro en 10. Je ne pense pas qu'il y aura le choix de Seydou Sow à la place de Nadé, étant donné que Nadé a fait
la prépa par rapport à ses doutes. Donc là, c'est plus physique qu'autre chose. Mais ouais, et Cafaro apparemment est un tout petit peu, enfin, il n'est pas encore tout à fait, il ne serait pas tout à fait prêt. Enfin, je parle au conditionnel parce qu'après, ben voilà, on sait, je ne sais pas ce qui se passe tous les jours. Donc, mais comment il ne peut pas être prêt? Il vit, enfin, ok, il vient d'arriver, mais bon, ça fait, il ne peut que être prêt. Et physiquement, apparemment, c'est pas ça. C'est pas encore tout à fait ça. Par rapport à l'Aubry, où justement, lui est arrivé bien. Tant mieux pour l'Aubry. Cafaro, il faudra. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas remplaçant et qu'il ne rentrera pas dans le match. Hein, tu vois. Mais de là à le faire commencer, machin, etc., pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Donc voilà. Et Cafaro, je pense que. Bon, après, Batlas l'a dit, il va s'appuyer sur la. Comment on appelle ça? Sur la polyvalence de Cafaro. Mais je pense qu'il sera beaucoup, beaucoup utilisé sur le côté gauche. Donc pour l'instant, tant que tu as Bonga, c'est ton titulaire, c'est Denis Bonga. Et voilà, au passage, concernant Denis Bonga, il se pourrait, après, attention à prendre encore une fois avec des pincettes. Ouais. Alors, Bonga actuellement est. La situation de Bonga, c'est quoi? Bonga, on sait tous, il est en fin de contrat. Il reste un an. Bonga est en attente d'offres. Dont notamment une qui sera en Ligue 1. Allez, l'OM! Marseille ou pas? Je sais pas. Je ne vais pas dire ouais, machin, je ne sais pas. C'est un club de Ligue 1. C'est un club de Ligue 1, voilà. Et non, en tout cas, c'est un club de Ligue 1. Il va aller jouer à Lorient, c'est trop bien, les gars. Donc, Denis Bonga va être à l'écoute des offres qui lui arriveront. D'accord? Mais il ne serait pas à exclure, ouais, je prends vraiment des pincettes là-dessus, comme ça on ne tombe pas dessus, il ne serait peut-être pas à exclure qu'il fasse la saison avec Saint-Etienne. S'il n'a pas d'offre intéressante, ce n'est pas à exclure, en tout cas il ne serait pas totalement contre le fait de faire la saison avec Saint-Etienne, de partir effectivement libre, mais en ayant rendu service et en ayant, pourquoi pas, donné un coup de main à Saint-Etienne. C'est une réflexion qui peut... Apparemment, il aurait. Après, si Bonga, il reste jusqu'à la fin de son contrat et qu'il permet, peut-être ou non, d'aider l'équipe ou de le même de le faire remonter en Ligue 1, moi, je ne suis pas contre. Après, il faut voir jusqu'à la fin du mercato, au cas où si il y a une offre du club, du fameux club que tu dis, la Green, de Ligue 1, et à voir après. Après, si par exemple, imaginons qu'il n'y a pas d'offre et que du coup il reste à Saint-Etienne, bon, en tout cas, je serais étonné et content de voir qu'il reste à Saint-Etienne pour son dernière année de contrat et qui permet d'aider ce club. Ouais, mais alors pour aider ce club, il faudra déjà qu'il lève la tête et qu'il passe le ballon. ouais, c'est vrai. Quoi, voilà, sans la jouer, Madame Irma, Bonga en Ligue 2, même le Bonga qui fait la saison, même le Bonga de la saison dernière, il claque une quinzaine de buts en Ligue 2. Je pense pas. Je pense pas. On verra, hein, c'est un pari. Hein, mais après, voilà, il est pas. Sur le match, je suis désolé, mais c'est tout frileux encore. Hein. Ouais, il revient, il est en train de se préparer. Il est encore en cours de prépa. Donc voilà. C'est dit, d'accord. C'est pas une info, c'est pas machin, c'est pas. Je suis pas en train de dire que Bonga va rester. Je suis pas en train. Je dis simplement que ça pourrait être une possibilité s'il n'y a pas d'offre intéressante. Mais bon, on est bien d'accord que la possibilité serait beaucoup plus à. On est plutôt sur l'option. Départ. Oui. Voilà, partir. Apparemment, ce serait pareil pour Magic Camara, ce serait pareil pour beaucoup, beaucoup de gens. Camara encore ? Apparemment, Camara, c'est pareil. Ah, mais attention. Notamment. Ça serait pareil qu'un club de Ligue 1 serait intéressé ou à l'étranger ? Plutôt autrement. Autrement, je comprends bien. Il y a quelqu'un qui s'est amusé. Vincent, tu voulais dire quoi ? Ouais, il y a quelqu'un qui s'est amusé à marquer comme quoi.
Mahdi ne serait pas du voyage à Dijon parce qu'il partait à Galatasaray. C'est complètement faux. Non. Là, c'est complètement faux. Non. Non. Pour répondre à Larkinzo, je pense que oui, le fait qu'il est beaucoup trop juste. Et je ne sais pas s'il n'a pas perdu beaucoup de points du côté de Batles. Hein. Ça, après, je ne sais pas. C'est une hypothèse personnelle. Ben, mais, il va falloir trouver un bon 6 alors. Ouais. Ouais, il va falloir. Bah, déjà, il va falloir. Six, comme parce que Camara, tu n'en as pas 40 000 à bah, non, c'est surtout un 8, Camara. Camara, oui, Batles le voit oui, comme oui, un 8. Oui. Non, mais je dis 6 parce que je l'ai mis tout dans si tu perds et Camara et Neyou, donc. En gros, tu as perdu Camara, Neyou, Bourna. Ouais. Ouais, il va falloir les remplacer. Et surtout, Camara et Neyou, il va falloir les remplacer. Il va falloir un 6 capable de te ressortir les ballons proprement. Et il va te falloir un numéro 8 capable de. Alors, normalement, ce fameux numéro 8, tu peux te dire que c'est moins fait. Hein. Mais, ouais, c'est compliqué pour toi. Donc voilà, concernant un petit peu voilà, ce qu'on pouvait dire sur Saint-Té, sur la prépa, un petit peu de mercato aussi. Voilà, du côté de Gerbic, apparemment le club, enfin, Batles apprécie le profil. Financièrement, ça semble hyper compliqué. Voilà, il faudrait qu'il divise son salaire par deux, etc. Ça, c'est un truc que j'ai lu sur Twitter, c'est pas une info à moi. Donc voilà. Donc, voilà, au niveau mercato, bosser un numéro 9, bosser un numéro 8, certainement, un numéro 6, un gardien, un deuxième gardien, les amis. Et pourquoi pas remplacer Palencia si Palencia s'en va. Voilà les travaux du côté de Saint-Denis. Albatar, c'est à toi. Personnellement, je préfère jouer une montée en Ligue 2 que les stagner au milieu de tableau en Ligue 1 avec un chaudron bouillant. Ce sera une année inoubliable si elle est réussie. Oui, tout à fait. Là, ça va être marrant avec les déplacements et tout. Ça va être super marrant. Adrien, tu as raison. Il faut un vrai numéro 9. Tout à fait. tu invites Denis à méditer sur la question. S'il nous entend, why not? Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose au niveau de la prépa? On n'a pas entendu Juan Luis. Juan Luis, est-ce que tu nous entends en fait? Oui, je vous entends. Ah, bonsoir à toi. Ah, bah, nickel. Salut. Salut. Alors, moi, je suis pas supporter Stéphano, je suis supporter troyen. Ouais, ok, d'accord. Bah, bienvenue à toi. J'aimerais avoir votre avis sur toutes les rumeurs là, sur Johan Tousgar, Florian Tardieu, si vous y croyez réellement ou pas. Quoi. Tardieu, j'y crois pas. Tousgar, j'ai pas envie, tu vois. C'est pas pareil. Ok. Parce que nous, on entend plein de rumeurs autour de notre club, autour de notre entraîneur. Apparemment, il serait sur la sellette, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains médias qui se font un malin plaisir à pourrir notre club, en fait. Je pense aussi. Mais après, apparemment, c'est pas non plus tout rose, je crois, du côté des stats, non? Non, si tu veux, Irles, en fait, je pense que c'est un entraîneur correct. Je ne dis pas que c'est le meilleur des entraîneurs. Après, il a de grosses améliorations à faire sur l'humain. Quoi. Et je pense que les joueurs étaient habitués à avoir Batles qui était vachement dans l'humain. Et là, en fait, c'est l'opposé. Quoi. Lui, c'est que la rigueur rigueur. Ok, d'accord. Donc, là, donc ça détonne. Mais si tu veux, c'est un peu rengaine. Quoi. Nous, on n'arrête pas de voir tous les jours des rumeurs, là, notamment de foot mercato, comme quoi… Bruno Irles, il a déjà un remplaçant au cas où il part, tout ça, c'est un peu chiant. Quoi. Après, voilà, tu sais que c'est le jeu du mercato notamment, et que tu vas avoir ça jusqu'au 31. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y en a qui jouent pour certains agents, si tu veux. Quoi. En tout cas, c'est pas qu'une impression, je peux te le garantir. Attention au niveau des micros, s'il vous plaît, n'hésitez pas à couper les micros. Attends, t'as dit quoi? T'as dit salut à toi, Scott Court? T'as parlé de moi, on est d'accord? J'ai pas dit salut, j'ai dit attention au micro, notamment. Ah, attention au micro, il a dit. Avant. Oui, mais ok. Je disais merci pour les travaux du côté de notamment pour Chambaud et pour les deux défenseurs. Oh, ouais. Bah, de rien, Giraudon, c'est un bon gars. Après, c'est bien, je pense, aussi pour Troyes qu'il soit parti. Parce que si tu veux, alors voilà, Batley, je pense qu'il s'entendait très bien avec Giraudon. Et des fois, il le laissait titulaire alors qu'il y a certaines prestations qu'il laissait à désirer des fois. Quoi.
Okay. Tiens, j'en profite que je t'ai sur la map. D'habitude, c'est Légion des stacks qu'on a avec nous. Je ne sais pas si tu connais. Pas, si, 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 je suis tous vos specs. Et je le vois des fois intervenir. Ouais. Et d'habitude, on a Légion qui nous parle bien de les stacks. Pour toi, oui. Jar, Tousgar, il part. Est-ce que c'est une perte? Est-ce que tu le pleures? Si Tousgar, il part, est-ce que je le pleure? Oui et non, parce que si tu veux, il a rendu beaucoup, beaucoup de services à l'Estac. Okay. Si tu veux, en Ligue 2, c'est lui, je pense, qui nous a aidé à monter aussi en Ligue 1 il y a 2 ans. Okay. Après, là, il est sur la descendante, et je ne sais pas si vous le savez, par contre, mais Tousgar, là, pour l'instant, il est blessé. Très bien. Je ne sais pas c'est quoi sa durée d'indisponibilité, mais si moi, sincèrement, je serais content pour lui. Si jamais il aime Batless et qu'il a envie de le rejoindre, je serais content pour l'homme et pour le joueur. Ok, d'accord. Mais après, sincèrement, il est plutôt sur la phase descendante qu'ascendante, hein, ça c'est clair, hein, faut pas se le cacher. Mais je pense qu'il peut rendre des services à Saint-Etienne, quoi, marquer une dizaine de buts dans la saison, ça me choquerait pas. Il peut faire 10 buts en Ligue 2 encore, tu penses? Ouais, sincèrement, je pense. Okay. Faut savoir que si on sauve l'année dernière, c'est en partie entre guillemets grâce à lui, parce qu'on est mené à un moment donné 1-0 par Marseille à domicile, et c'est lui qui met le but égalisateur, et c'est suite à ce match-là que l'Estac remonte au classement. D'accord. Et alors, je sais que quelques Stéphanois ne connaissent pas forcément le profil Yuen Tousgar. Est-ce que ça te dérangerait de nous le décrire un petit peu? C'est plus un renard des surfaces, un finisseur, si tu veux. Il aime bien aussi tout ce qui appelle en profondeur. Mm-hmm. Mais c'est plus un finisseur, un renard des surfaces. Enfin, moi, je le décrirais comme ça, un renard des surfaces, si tu veux. Attaquant statique, donc. Ouais. Après, il aime bien aussi prendre des appels en profondeur. Ok. Donc, il bouge quand même, mais là où il va être plus à l'aise, c'est… C'est un bon point d'appui aussi. Ça peut être un bon point d'appui aussi, des fois. Ok. Après, il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand. Il n'a pas marqué, à mon avis, beaucoup de buts de la tête. Quoi. Plutôt des… Mais c'est un bon gars, c'est un bon soldat, Yuen Tousgar. Il ne rechigne pas, c'est un bon gars, je crois. Donc, c'est quoi? C'est un numéro 2? Ouais, un numéro 2 pour vous, c'est un numéro 2, je le vois. Enfin, je le vois plus faire les 30 dernières minutes, tu vois, chez vous. Ok, d'accord. D'accord. Donc quoi, donc ça n'arrive pas à la question où il nous faut un numéro 9 titulaire. Ouais, non, pour moi, ça ne sera pas votre titulaire. S'il vient chez vous, ce ne sera pas votre titulaire, sincèrement, je pense pas. Ok. Alors, je te pose une question un petit peu troll, entre guillemets, mais c'est plus pour l'humour que je te la pose. Ouais, dis-moi. Si tu dois choisir entre Tousgar et Gerbich. Garbich, s'il y a une option d'achat, oui, je prends Garbich. Ça sera un prêt ou un transfert pour vous, Garbich? Alors, pour l'instant, on est très loin de savoir, même si Garbich serait intéressé par ça. Donc, franchement, ça, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Vraisemblablement, je ne pense pas que ça soit un transfert. Ça peut être un prêt, je pense. J'ai envie de te dire, je prendrais les deux. Je mettrais Garbich en titulaire et puis Tousgar sont en plaçant pour les 30 dernières minutes. Ça coûte cher un petit peu tout ça. Tousgar, ça émarge à combien, tu le sais? Tousgar, l'année dernière, l'été dernier, il devait partir à Tenerife. D'accord. Son agent qui est Gad Cohen, à mon avis, ils ont bien négocié. Je pense qu'il doit être dans les 30-35, je pense. Ah ouais, d'accord, donc ça va, c'est pas genre, il va pas coûter une blinde, il va pas c'est pas le joueur qui va truiner. Non, je suis sûr, il est en dessous des 50, c'est sûr et certain. Okay, franchement, je dirais 30, allez, je dirais 35. Ok, bah, super, super intéressant tout ça. Dernière question, mais après, je t'embête plus, promis. Non, tu m'embêtes pas, moi, ça m'intéresse, moi, de discuter avec vous, tu m'embêtes pas, vas-y. C'est gentil. En tant que donc, supporter extérieur, et au vu de ce que tu vois un petit peu du côté de la Saint-Etienne, est-ce que tu es plutôt confiant pour une remontée directe? Alors moi je vous vois je pense minimum top 5. Laurent Batless, c'est un super entraîneur pour moi. Briançon, Girodon, pour moi, pour la Ligue 2, ça va tenir largement la route. Okay. Après, voilà, il vous faut, ouais, comme tu as dit, il vous faut surtout pour moi un numéro 9 et un numéro 6. Un 9 et un 6. Okay. Ouais. Et ouais, je vous vois top 5. Je vous vois top 5. Ok, donc pas forcément remonter. Hein. C'est trop tôt. En fait, là, je trouve, c'est toujours la question con, mais c'est trop tôt par rapport au mercato.
je trouve. Bien sûr. Si tu me donnes demain le nom du 6 et du 9 que vous signez, je pourrais plus te répondre. Je comprends. Mais okay, non, mais je suis plutôt confiant pour vous. Hein. En tout cas, je ne sens pas du tout la saison de galère. Quoi. Laurent Batet, je pense, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a un projet de jeu que les joueurs adhèrent facilement. Back. Après, le défaut principal de Laurent Batet, pour moi, c'est qu'il n'aime pas trop les joueurs qui parlent une langue étrangère. Voilà. Donc ça, c'est après, c'est pas un gros défaut hein, pour un entraîneur. Mais... C'est pas une légende, c'est vraiment un fait. Parce que j'avais entendu des croyants me dire ça. Et j'ai dit, ouais, mais non, mais c'est surtout qu'à 3, en fait, non, mais d'accord, c'est vraiment, c'est pas une légende, quoi. Non, puis si je devais lui redonner un deuxième défaut, ça serait, si tu veux, tu vois, par exemple, Giraudon, c'était son homme à tout. Alors, Giraudon, c'est un bon gars aussi, hein, il jouait bien. Mais si tu veux, il avait du mal, je pense, à redire à des joueurs qu'il appréciait beaucoup, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, un de ses joueurs préférés, il fait une erreur. Alors, peut-être qu'il lui disait, hein, mais c'est pas pour autant que demain il avait plus sa place de titulaire ou qu'il le remettait un petit peu en question au diapason. Donc, il a du mal à dire les choses, quoi. Alors, c'est pareil, tu vois, je suis pas dans le vestiaire. Je sais pas s'il les disait, mais en tout cas, peut-être qu'il les disait, si tu veux, mais c'est pas pour autant que le joueur, tu vois, et je dis une connerie, Giraudon, tu vois, il a fait quelques bourdes en Ligue 1. C'est pas pour autant, tu vois, que le lendemain il était plus titulaire, quoi. Ok, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est bon, je vois ce que tu veux dire. Il est peut-être des fois un peu trop gentil, je pense. Après, ça se trouve, il faisait les remarques. Il disait, voilà, les axes d'amélioration aux joueurs, mais tu le sentais pas forcément dans le 11 de départ, quoi. Voilà. Okay. Après, je suis pas dans le vestiaire. Voilà, je sais pas ce qu'il disait aux joueurs quand ils faisaient des erreurs, mais moi, je le ressens comme ça. C'est juste mon avis, voilà. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas. Tu restes dans les parages ? Tu restes dans les parages ? Je reste dans les parages si tu as envie de... Ah oui, je reste avec vous là pour l'instant, pas de soucis. C'est super gentil. Bah écoute, si tu as envie d'intervenir à n'importe quel moment, hein, tu ouvres le micro et tu nous dis ce que tu as à dire. Si on dit des grosses bêtises, tu dis hop, tu nous rattrapes. Ça marche la grille, pas de soucis. Merci à toi. Pas de soucis. J'en profite pour accueillir et je te fais la passe des scouts, hein, bouge pas. Je vais y aller, moi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ok, pas de soucis. Bonne soirée à toi, Scott. Merci à toi de ton passage. Et puis on espère qu'on va remonter, même si on sait que ça va être compliqué, mais ça va être une saison galère, on va galérer. Par contre, je suis bien content de retrouver Geoffroy le 21 octobre, mais ça va être galère. Ah, on va faire des déplacements champêtres, ça va être marrant. J'aimerais bien, il y a un déplacement que j'aimerais bien faire, c'est Grenoble, ouais. C'est vrai que Grenoble, ça peut être sympa, ouais. C'est le plus proche en plus, donc voilà. Messieurs, bonne soirée, profitez bien. Bye bye. Bonne soirée à toi, Scott. Merci. Ciao, ciao. Ciao, mon Scott. Merci à toi. Salut. J'en profite pour accueillir donc, du côté du chat et pour souhaiter la bienvenue à GhostLive89. Salut à toi. Il n'y a pas de souci si tu as raté le début du space. Tu pourras écouter le replay et sur YouTube et sur Twitch. Ça, c'est la petite nouveauté pour cette saison. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la prépa, notamment ? Non, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Ok. Est-ce qu'un auditeur veut prendre la parole, justement, pour parler un petit peu de la prépa ? Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Je vois qu'il y a Yacine, je vois qu'il y a Shoak, je vois qu'il y a Maurice, je vois qu'il y a Romain. J'entends qu'il y a Anthony. Anthony aussi, salut à toi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au niveau auditeur ? Ou est-ce qu'on passe à la suite ? Je vois qu'il y a Bertrand Girard aussi. Attends, on va lui envoyer une petite invitation à Bertrand. Toujours une invitation à Bertrand, c'est il faut. Je vois qu'il y a BRD2 aussi. Merci à vous hein, d'être là. Si, enfin voilà, n'hésitez pas, à n'importe quel moment, vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de problème, comme on dit. Bon, on enchaîne, les amis. Alors, avec le match face à Dijon. On a une petite demande d'Anthony. Ah, je savais bien. Ah, bien. Voilà, il fallait te demander. Bien. Comment il va, Lanto ? Ça va ? Ça va et vous ? Super, bah écoute, je t'en remercie. Ça va la forme comme d'hab. Merci à toi de ton intervention. Ah. Écoute, pas de soucis. Dis,
Dis-nous, est-ce que tu as un petit avis sur la prépa ou est-ce qu'on fait Dijon ensemble? Est-ce qu'on passe sur Dijon? Sur la prépa, ouais, non, vous avez écouté tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Bon, j'étais en train de bouffer, donc du coup, c'est pas très pratique avec le micro. Ah, bonne fin d'appétit. Non, non, mais pas de souci. Et ouais, non, sur la prépa, bah, je sais pas si. Moi, le truc, c'est que, en fait, voilà, on dessine un 11, ouais, vous avez parlé d'un 11 probable, et c'est vrai que sur le papier, c'est cool. Maintenant, après, voilà, on ne l'a pas vu évoluer ensemble, ce 11-là. Je trouve que Batles, il a fait beaucoup tourner. Alors, c'est bien, il a donné du temps de jeu à tout le monde, il y a aucun souci là-dessus. Mais contre Angers, je m'attendais, voilà, enfin, peut-être avoir un truc, une compo, voilà, qui ressemblerait éventuellement à ce qu'on verrait samedi, quoi. Je pense qu'il s'est réservé pour samedi et que après la compo que tu as eu en début de match peut ressembler à la compo de samedi. Ouais. Tu rajoutes l'Aubry dedans, ouais. Mais ça peut y ressembler. Ça peut y ressembler. Tu vois, regarde ta défense, Nadé brillant son Giroudon. Ouais. Tu sais que ça va être celle-là ta défense. Ouais, ouais. Tu vois. Donc, ça, tu sais que ça ne bougera pas. Après, tant que Sau ne revient pas, c'est ça. Ouais, voilà. Après. Ouais, c'est une équipe qui va être amenée à bouger de toute manière en fonction. Là, vous parliez voilà, de Bouanga. Alors, c'est vrai, s'il reste, ouais, c'est cool. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui représentent une valeur marchande et que probablement pour renforcer l'équipe, bah, va falloir vendre des joueurs. Donc, bon. Voilà, on n'en a quand même pas énormément qui ont une valeur marchande. Donc, bon, voilà. Enthousiaste, mais. Non. Voilà. Pour te répondre, Romain D, pour commenter le space, c'est soit tu fais at la grille du sud et tu marques ton message, soit directement via le chat, directement sur Twitch, donc tu vas sur Twitch la grille du sud, soit sinon tu viens prendre la parole. Voilà. Fall toujours blessé, je crois que Fall est toujours blessé. Et il sert à quoi, Fall, en fait? Parce que depuis le temps qu'il est là... Troisième gardien. Ouais. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir été blessé, on l'a un peu moins vu. C'est mais, vrai. Mais ça lui convient d'être troisième gardien? Ça fait un moment qu'il est là, quand même. Il est jeune. Troisième gardien, en étant jeune, pour lui, il prend le poste. Et voilà, il était. Il a quel âge? Je suis pas allé. Fall, le bad. Il va avoir 21 ans. Ouais, c'est bail là. C'est ça, je dis pas des bêtises. Ouais, mais depuis le temps qu'il est là. Ouais, mais il doit avoir cet âge-là. Hein. Boubacar Fall, ouais, regarde, tu vois, il a 21 ans. Ouais. Donc en fait, t'as l'impression que ça fait 1000 ans qu'il joue, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'il est là. Mais ouais. En fait, c'est un gamin. C'est un bébé. Ouais, non, mais d'accord. C'est un grand bébé. c'est un bébé encore. Eh oui, c'était la fameuse triplette de Tonton Puel, quoi. C'est avec, ça. Green, Bajic, chez Fall, quoi. C'est ça. Et donc, c'est pour ça, non, t'inquiète pas que tu peux être amené à le voir peut-être sur quelque chose comme ça. Mais bon, ça, c'est pas le plan. Le plan, c'est Green titulaire. Je fais juste une petite passe à Vincent, je vois qu'il lève la main. Bon, Vincent, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je viens d'avoir une info, on va peut-être récupérer 8 millions d'euros, là. Sur qui? Charles Abbey. Fofana. Ah oui, j'ai vu. Ah, Chelsea, ah oui, Chelsea, ouais. Chelsea, 83 millions, ouais. Oh, purée. Ouais, il était aussi énorme le pourcentage à la revente. 20%. Non, il est 20%. Bah, ouais. 20%, ça fait pas 8 millions. Si tu fais le calcul, là, c'est que 10%. Donc, ils vont nous arnaquer, ces enfoirés de. Attendez. C'est 20% sur la plus-value. Ah ouais, bah, oui, d'accord. Donc, je comprends mieux les 8 millions. Là. D'accord. C'est 20% sur la plus-value. C'est pas 20% sur le montant du transfert. Ah ouais, ça change tout là. Oui, le pourcentage à la revente, ouais. Voilà, c'est pas sur le pourcentage à la revente, c'est sur le pourcentage de la plus-value. T'achètes 40, tu vends 60, ton pourcentage, il est sur les 20 millions. Oui. Donc c'est logique qu'on se tape que 8 millions, du coup. Voilà. Parce que là, 83 millions, 20%, ouais, on montait dans les 16 millions, quoi. Qu'on soit bien d'accord. Ouais, tu pouvais faire le double, mais qu'on soit bien. Enfin, voilà, c'est vraiment. Et à chaque fois que vous lisez les pourcentages, c'est les pourcentages sur les plus values. Il y a Ace qui est là aussi. Bonsoir Ace, comment vas-tu? Bonsoir. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va et vous? Bah écoute, tu vas être avec nous pour parler de Dijon. Ouais, j'arrive un
peu tard, mais bon, c'est pas grave. Allez, non, bah regarde, je rentre dans le vif du sujet là tout de suite. Bah, vous avez dit quoi pour pas qu'on répète trop. On a fait simplement le. Le bilan plus ou moins de la préparation. Voilà. Ah, ok. Donc, voilà. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc ça va, t'as pas raté grand chose. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, par contre. Et d'ailleurs, avec une énorme présentation, franchement, je vais vous donner le. C'est notre ami, un poteau Dijonais, qui a fait un taf monstrueux. Je vais vous redonner son hashtag, parce que franchement, quand je vais vous lire la présentation qu'il a fait, je vais dire, ah ouais, mais le mec, il a. Déjà, il nous a pas pris pour des idiots, quoi. Ok. Voilà. Donc, c'est Arjen Groubet. Donc, le hashtag. Hop. Donc, il ne pouvait pas être là spécialement. Mais voilà. En tout cas, il a bien taffé. Donc, je fais la petite présentation au niveau de Dijon, d'accord ? Et puis après, on parlera de, voilà, du match un peu plus globalement. On parlera aussi du déplacement des supporters, c'est important d'en parler. Mais voilà. Concrètement, après une saison plus que compliquée en Ligue 2, il nous dit, donc là, c'est deux points ouvrés les guillemets, c'est vraiment le frérot Dijonais qui parle. Okay. Donc, après une saison plus que compliquée en Ligue 2 VKT, le DFCO finit finalement 11e, donc la saison dernière. Nous explique qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été opérés dès la reprise. Donc, le premier et le plus important, changement de coach. Garand qui part, Daf qui remplace le coach. Beaucoup de joueurs ont été soulagés, notamment par le départ de Garand, qui avait une très mauvaise attitude envers ses joueurs. Omar Daf, donc, ancien coach de Sochaux, donc, arrive avec son adjoint, Stéphane Mangian, historique du FSCO, et son entraîneur des gardiens, Gérard Niawan. Au niveau mercato, donc arrivé de Walid Nassi, joueur libre qui a fait quelques apparitions avec le stade de Briochin la saison dernière. Apparemment, c'est un joueur à suivre. Il y a également Houssène Tchoun, ancien numéro 6 de Sochaux. Il nous dit que c'est un profil très rugueux. Et également Idrissa Camara, recrue sénégalaise, venue de D2 Turc, c'est un ailier. Il y a également à noter les retours de joueurs qui avaient été écartés par 40, notamment Brian Soumaré et un peu plus tard dans la saison, Christopher Rocha, je ne sais pas comment on dit. Daf ayant eu les deux à Sochaux, il va décider de les relancer, notamment au moment de la préparation. Donc, ce qui nous fait un résumé au niveau mercato, donc Daf qui arrive en tant qu'entraîneur, Tchoun qui arrive libre, Nassi qui arrive libre également, Camara qui arrive de Umran Esport et les retours de prêt également donc de Selina, Benzia, Ndong, Assalé et Konaté. Au niveau des départs, Bruno Ekole Manga, excusez-moi, fin de contrat, Frédéric Samaritano, retraite, Wiliti Yunusa, fin de contrat, Mounir Chouyar, qui est une grosse perte, je pense, pour eux, qui va au Başakşehir Esport, Amir Arli, fin de contrat, et Romain Philippe Otto, retour de prêt du côté du Stade Brestois. Il nous dit, pour information, les retours de prêt étaient tous attendus à la reprise dès le 1er juillet. Roger Assalé est là depuis le début de la reprise. Seuls Didier Ndong et Yacine Benzia ont repris le 1er juillet. Pas de nouvelles de Konaté, ni de Selina. Chouillard a définitivement quitté le club à Başakşehir Espoir. Au niveau de la prépa, il nous dit qu'il y a eu une prépa physique, très grosse prépa physique, notamment à Tignes. Il explique qu'après avoir échangé avec quelques joueurs, notamment Daniel Congré, il dit que c'est l'une des plus grosses prépa physiques qu'il a fait à Dijon. Il est allé lui-même au centre d'entraînement et il se rend effectivement compte que ça bosse bien, que les entraînements sont beaucoup plus pro que ce qu'il a pu voir du côté de Patrice Garand et que pour lui, il trouve que c'est très encourageant pour la suite. Au niveau des joueurs à suivre, pour lui, le joueur numéro 1 à suivre, ça va être Mickaël Lebihan. Pour lui, s'il ne se blesse pas, s'il est performant devant les buts, si les coéquipiers distribuent de belles galettes, il peut mettre entre 15 et 20 buts en Ligue 2 pour lui. Schedler également, même s'il est sur le départ, sera un joueur à suivre. Notamment, s'il part, la recrue, parce qu'il faudra vraiment remplacer le joueur. Assalé et Camara peuvent aussi suppléer si besoin.
Pour lui, il nous dit donc le rayon de soleil de la saison dernière, c'est Alex Dobré, international roumain qui a explosé sous Garand, également sur le départ, mais ça semble moins sûr que Shedda. Il a été dernièrement positif au Covid, puis blessé. Il n'a pas pu participer au stage à Tignes et il n'est toujours pas présent aux entraînements. Et ensuite, il faudra jeter un œil sur Yanis Chahid. Il a participé avec les pros à la préparation. Présent au milieu de terrain, il a été performant pendant les matchs amicaux. Et il nous dit aussi de jeter un œil sur Walid Nassi, petite pépite de 22 ans, décisive 4 fois à Villefranche et une fois à Saint-Apollinaire. Il devrait être titulaire ce week-end contre la Saint-Etienne. Au niveau des matchs amicaux, 4 matchs pour Dijon, une victoire 6-0 face à Apollinaire, une victoire 6-0 face à Villefranche, un match nul 1 partout face à Annecy et une victoire 1-0 face à Dijon. Au niveau des buteurs sur l'ensemble de la préparation, Le Bihan 4 buts, Chahid 3 buts, Chender 3 buts, Alenvi 1 but, Soumaré 1 but, Marié 1 but. Son opinion pour lui au niveau de la saison un peu plus globale, cette saison sera meilleure, je le pense, donc de prendre les légumes. Cette saison sera meilleure, je pense. Pour moi, l'objectif de Delcourt de la montée me semble quand même compliqué. Il y a une énorme concurrence entre Bordeaux, Sochaux, Guingamp, Paris, Metz et Saint-Étienne, évidemment, qui voit comme un favori pour la remontée. Il faut être réaliste. Si on fait déjà un top 5, on prend, mais on a un effectif rodé pour viser la montée, c'est évident. Cependant, il faut faire preuve d'humilité. Il faut que les idées du coach et de son staff soient bien comprises par le groupe, mais l'avenir s'annonce plutôt radieux, et en tout cas plus radieux que sous Linares. On nous dit que ce n'était pas compliqué. Concernant son avis sur l'AS Saint-Etienne, pour lui, donc comme je disais tout à l'heure, il place Saint-Etienne parmi les favoris de ce championnat. Il faudra aussi que le supporter stéphanois se tienne à carreau pour lui, même si la détresse des supporters face aux propriétaires se comprend. Pour lui, Saint-Etienne a les armes pour faire une excellente saison. Cependant, attention à ne pas trop s'enflammer. La Ligue 2 est un très beau championnat et les 3 points de pénalité, pour lui, peuvent être préjudiciables en fin de saison. Le coach et le recrutement sont cohérents. Bon, après, il nous dit que pour lui, il ne semble pas qu'on ait besoin de vendre. Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Il nous dit que, mine de rien, on a quand même un gros effet. Enfin, il a fallu renouveler pas mal des 80% d'effectifs pour lui. Pour lui, il trouve que c'est cohérent de recruter du côté de Troyes, notamment avec des joueurs qui connaissent bien le championnat. Pour lui, Crasso n'est pas forcément un gros nom, mais on a vu l'an dernier qu'il a été performant. Bouanga lui fait peur pour ce week-end. On sait que pour lui, il sait que c'est un très bon joueur, qui est pas loin d'avoir le potentiel d'un club pour que jouer l'Europe. Il a peur également de Cafaro, qui pour lui est un bon joueur technique. Il a les moyens de performer chez nous. Il aimerait que Dijon commence par une victoire, mais il pense sincèrement que le match est loin d'être gagné. Il miserait bien sur un match nul, un partout. Pour sa compo ce week-end, René, Rokia, Koulibaly, Congré, Traoré, donc c'est en fait un 4-3-3. Hein. Attendez, hop, je vais zoomer un petit peu, parce que c'est un peu, hop là. Ndona, Chun, Marié au milieu de terrain, Soumaré, Le Bihan et Assali. Assalé, excusez-moi, pour la compo. Voilà, pour lui, c'est la compo type qu'il verrait face à Saint-Etienne. Voilà, les amis. Donc, je vous ai dit, il a fait. Je peux réagir, Lagrine ? Bien sûr, vas-y. Alors, j'ai commencé. Un grand merci à lui encore une fois. Hein ? Un grand, grand merci à lui encore une fois. Ouais, voilà, c'est que déjà, pour commencer, j'allais le remercier pour son énorme travail. Merci à lui. Alors, j'ai eu redire ce que dire un peu ce que j'en pense déjà sur les matchs de préparation de Dijon. Alors c'est pas pour être pessimiste si je puis dire, mais on peut dire qu'ils sont en confiance parce que gagner avec des gros scores quand même, c'est à dire que voilà, on peut l'équipe peut se mettre en confiance. 14 buts marqués, un but encaissé. Hein? 14 buts marqués, un but encaissé. Ouais, voilà, on peut dire que c'est une équipe qui joue bien, on peut le dire, qui joue bien, qui marque beaucoup de buts, qui s'encaisse très peu de buts. Alors on peut dire que c'est une équipe en confiance en ce moment pour avant de démarrer le championnat de Ligue 2. Et après, voilà quoi. Après ce qu'il a dit sur la vente, je pense que la communauté stéphanoise n'est pas du même avis, si je puis dire. Mais après, ce qu'il a dit sur le coach, le recrutement, sur Cafaro, c'est cohérent. Hein. Il n'y a rien à dire, mais voilà. Moi, surtout, ce que je retiens, c'est que l'équipe est en confiance et que ça va être compliqué et que voilà, ça va être très compliqué de jouer à Dijon samedi à 15h.
Ben oui. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Moi, pour moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, effectivement. Et du coup, Dijon, ils ont recruté à Salé. Attends. T'as bien dit, t'as bien est-ce qu'on dit à Salé. Oui. Alors, apparemment, j'ai un problème de micro. Est-ce qu'ils l'ont recruté? Non, mais il était déjà, c'était un retour de prêt à Salé. Ok. C'est un retour de prêt. Donc, voilà. Et il est là depuis la reprise. Hein. Donc, il a fait son retour. Il a fait son retour et peut-être moyen qu'il fasse sa saison correcte. Justement, voilà, je donne la parole un peu de manière collégiale. Comment vous le voyez, vous, ce match face à Dijon? Donc, le ministre nous dit pas très en confiance parce que justement. Bah, il va jouer contre une équipe qui, elle, a confiance et que nous, on n'a pas forcément fait les meilleurs résultats. Après, je dis pas que on peut. Après, je dis pas qu'on va faire quelque chose de mauvais. Mais moi, je vois pas la victoire, je vois plutôt le nul, personnellement. Attends, garde ton prono pour après. Garde ton prono pour après. On fera les pronos après. Doucement, garçon. Vas-y, mon Ace. Ok. Juste à Green, je te pose la question. T'as remarqué que j'étais Wissen quand même. Non, c'est pas vrai. Oh. T'as pas reconnu ma voix, c'est franchement, je suis chagriné. Ah ouais, t'as vu, je parle tellement avec toi, t'as vu que. Exactement. T'as vu, exactement. Je suis un mec. Moi, je l'ai reconnu via son pseudo là. Je suis un poteau indigne et je reconnais pas la voix de mes poteaux. Bah oui, tous les jours. Non, mais voilà, ouais, non, Dijon, je le sens. Bon, c'est le premier match. Hein. Personnellement, je pense pas que ça sera directement. Le match où on va pouvoir reposer sur. Enfin, on va pouvoir se fier à notre saison, pardon. Moi, personnellement, je le sens bon, bof. Je pense que vous me suivez un peu là-dessus. Mais moi, j'attends surtout de voir les nouvelles recrues. Surtout. Moi, c'est surtout ça que j'attends, de voir des joueurs comme Cafaro, le nouveau plan de Batles, parce que sur les matchs amicaux, j'ai pas pu voir forcément les matchs amicaux, etc. Donc, j'ai pas pu voir vraiment ce qu'il essayait de mettre en place. Et puis, à ce que j'ai entendu, ça a pas trop marché, surtout sur le dernier match. Donc voilà, on verra bien. Ok. Justement, alors, petite passe d'A à Vincent, derrière Ralland, et il y a mon poulet Axel aussi qui est là. Ouais, frérot, moi je vais pas rester longtemps. Je t'avais dit, j'ai une parole. C'est pour ça que je te donne la parole. Je passerai vite fait. Let's go. En Ligue 2, on est bon. On est bon. On y va en Matmut, on n'y va pas. Ah ouais, bah, vous venez les gars, vous venez. T'inquiète, on va se préparer ça, on va se préparer. Non, ça. Mais gros soulagement. Je t'avais dit. Pour moi, c'était pas fait. J'ai actualisé ce matin. Toutes les 30 secondes pour savoir, et j'étais pas le seul, et voilà. Bon, on y est maintenant. Faites attention parce qu'on est là et on sera, je pense, que voilà. On va être un concurrent sérieux pour la montée. Nous, il faut qu'on remonte directement parce que derrière, ça peut, financièrement, ça peut être problème. Ouais, tourner au vinaigre, si je puis dire. Ouais. Donc, nous, on va tout miser sur cette année-là et on verra bien. Mais voilà. Let's go! Merci les potes. Bah ouais, je vois qu'il y a Mercas aussi. Il doit être hyper heureux, le frérot aussi. Mais franchement, je suis content pour vous. Et t'inquiète, on sera là. Bon, que ce soit à Geoffroy ou à Galice, les gars. Allez, on va faire la bringue ensemble. Ah, mais t'inquiète même pas, on sera là. Bon, force à vous les gars, passez une bonne saison quand même. Je pense que contre Dijon, ça va le faire les gars, vous faisiez pas trop de soucis non plus. Ça va passer. Et comme je vous ai dit, comme j'ai dit hier soir, voilà, il faut faire un parcours de champion. Mais je pense que vous comme nous, on est des concurrents direct à la montée. Et vous, c'est qui? C'est Valenciennes en premier? Nous, c'est Valenciennes, mais nous... Nous, on va mettre les minots parce que Barbé et Nsimba ne sont pas qualifiés donc pour comment jouer. Comment ça se fait? La Ligue. Hein. La Ligue. Hein. Voilà. Ah, cette réponse. La Ligue. Hein. Mais c'est pas grave.
En tout cas, voilà, même le président nous a dit que voilà, le stade est ouvert à tous et gratuit pour tout le monde ce week-end. En vrai, il vous fait match, match gratuit, ouais. Donc c'est stade plein ce ouais, ça week-end, va être une tuerie. Donc ça va être le feu et on va pousser les petits et tout. Vous avez de la chance d'avoir votre et ça va être cool. Bon, on sera là. On sera Ouais. quand même. C'est bien. À Dijon, vous êtes parqué. Quand j'ai vu, mais parqué et pas que. Bah, t'étais là hier quand on a regardé la tribune. La tribune Ouais. où il y a le parkage, elle a guichet fermé. Ah, donc ça fera la différence. Et je pense pas qu'à Dijon, il y ait des hein, voilà. On attendra que vous, les gars, là-bas. Et je peux vous dire, pour avoir parlé, juste avant de commencer le space, j'étais au téléphone, c'est pour ça que j'ai commencé en retard. Il y a des petites banderoles qui sont en préparation, il y a des petits trucs qui sont en préparation. Ok. C'est bon à prendre. On va pas faire un chiffre à Dijon, on est bien d'accord. Hein. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, il y a des trucs pas mal. Bon. En tout cas, Bon, content voilà. pour toi, moi, mon Axel, et kiffe la saison. Et on se retrouve. Bah, de toute façon, on est là, on fait des space et on va aller à Bordeaux, t'inquiète. C'est bien, frère. T'inquiète comme nous on même pas. ira à Saint-Étienne, vous inquiétez pas, on sera là en nombre, on sera là. T'inquiète même pas qu'on va. On sera à Bordeaux. Bon, allez, force à vous les gars. Merci à toi, bye bye, bonne saison à toi. À vous Ouais, aussi. merci à vous aussi. Vu qu'on est un petit peu sur Bordeaux, il y a Mercas aussi, je fais la petite passe d'Amercas, vu qu'on reste un petit peu sur la bonne humeur, là, ça fait plaisir. Comment il va le Mercas? Ah là 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 la vie. Soulagé. Aïe, Bordeaux, aïe, Saint-Dé, aïe. allez. Aïe. Ah, ça s'entend même dans ta voix. Mais t'es fou, j'ai qu'une seule. Oh, moi je. Franchement, t'es fou, c'est. Je suis aux anges. Ah, plus beau jour de ta life. Hein. Ah, mais comme il a dit Axel, hein, venez avec plaisir à Bordeaux, hein, la vérité. On en C'est a fou déjà ça, parlé, je crois, tous les deux. franchement. Ouais, bah, je t'ai dit, moi je t'ai dit de toute façon. C'est clair. T'es fou, ça va être le feu. Ça va être une dinguerie, t'inquiète même pas. T'inquiète même Non, pas. non, franchement, ben. Non, non, c'est un soulagement. Après, comme Axel il a très bien parlé, il l'a dit, on ne peut pas se permettre de rester ben, un peu comme vous. Hein. On est un peu dans la même situation parce que vous avez, le club n'a pas été vendu. Mais nous, financièrement, on ne peut pas se permettre vraiment de rester. On peut pas, par exemple, comme Auxerre ou Lens, rester bloqué en Ligue 2, c'est impossible. Hein. Financièrement, on ne tiendra pas. Donc, on a vraiment besoin de remonter le plus vite possible. Ah, pas le choix. Donc, à voir aussi, parce que nous, à ce qui paraît, notre mercato, il n'est pas fini. On aurait peut-être aussi d'autres arrivées. Et on a besoin aussi d'arriver. Donc ouais, moi je te dis la vérité, en ce moment t'es fou, On depuis la nouvelle fire. de tout à l'heure, je suis heureux, je suis heureux. Ah, franchement, ça fait plaisir. En vrai, J'ai envie de chanter, j'ai envie de. ça T'es fait, fou, c'est obligé. ça fait plaisir. Pour répondre à Mouma 38, moi je parle du déplacement à Bordeaux, hein, je parle pas du match à Geoffroy, parce que oui, effectivement, le match à Geoffroy Ça il sera sera huis huis clos. clos, exactement. Il sera huis clos, ouais, Non, malheureusement. je parle du déplacement à Bordeaux. Non mais tranquille, on chantera quand même Ouais, à. ouais. À Galice, on chantera Bordeaux Saint-Étienne, allez! Bordeaux Saint-Étienne, allez! Bordeaux Bordeaux Saint-Étienne! Saint-Étienne, Bordeaux Bordeaux Saint-Étienne! Ah, ça c'est bon Ça fait ça. plaisir d'entendre tout ça, ça fait vraiment plaisir. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est très très bon. Très grosse ambiance ce soir. Non, en vrai, bah voilà, moi je suis super heureux avec vous. Je vous souhaite enfin voilà, la meilleure saison possible. Bah, si Saint-Étienne et Bordeaux doivent monter, bah, que ça soit Saint-Étienne et C'est Bordeaux. ça. Ouais. Ce Dans serait incroyable. cet ordre-là, par contre. Hein. Ah, Hein. Moi, ça, mais moi, ça m'a. Tu sais quoi? Moi, ça m'importe peu. Je te dis la vérité des champions. Je veux juste monter. Je ben veux oui, mais juste c'est monter. normal, c'est normal, c'est normal. C'est Ah, normal. putain. Bon. On retourne un petit peu sur Saint-Étienne. Mercas, si tu veux rester parler de Saint-Étienne, t'hésites pas. Non, mais je vais laisser ma place. Je vous écoute. Je reste en bas. Je vous écoute. Allez, ben, pas de soucis, tu veux remonter, tu remontes quand tu veux. Hein. Vas-y, D'accord? ça marche. Bon space, les frères. À plus tard, frérot. À Vas-y. plus tard. T'as suivi l'ordre avec moi ou pas, mon ministre? Oui. C'était qui là, ensuite? C'était Rénan, si je C'était me. Ralan? Ouais, C'était. c'était Rénan. Ouais. Bah, bonsoir, mon Ralan, comment vas-tu? Bonsoir. Tu as la forme? Ouais, c'est Oui, Ryan c'est maintenant. Ryan. Je voulais Bah, corriger. excuse-moi, c'est Bah oui, mais c'est un Y a pas de problème. I, mais c'est un I, mais oh, tu sais que j'ai cru que c'était un L. Je disais, mais c'est Nice. quoi ça, Ralan? Y a pas Ok, donc Ryan, ok, comment il va? Bah écoute, ça va. Hâte du match en Ligue 2. Premier, Ça le fait chier. premier.
Il est important. T'es comment? T'es plutôt confiant? Tu vas faire le déplacement déjà? En fait, c'est aussi pour ça que je viens dans le space. En fait, je lance une bouteille à la mer. Je veux faire le déplacement depuis très longtemps. Ça va être mon premier. Sauf que je ne sais pas qui contacter, comment le faire. Enfin, je peux y aller en voiture, hein, y a pas de problème. Mais je ne sais pas qui contacter, comment avoir des places. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Alors, si je peux me permettre de te conseiller, essaye de voir peut-être avec. Je sais pas si tu connais le tuto, ce qui s'appelle Alan La Familia. Ouais, non, je connais pas. Bah, check ça, t'as vu, tu mets Alan La Familia. Essaye de voir avec lui s'il n'y a pas moyen de moyenner. Ouais. Parce que hier, il nous a dit qu'apparemment il y avait peut-être des plans, mais bon, voilà. Entre hier et aujourd'hui, il n'y a peut-être plus rien aussi. Donc. Ouais, c'est sûr. Bah, voilà. Je vais lui contacter. Essaye de checker avec lui. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Après, bah ouais, dans l'idée, de toute façon, si j'arrive pas à avoir place en parkage, ça me ferait chier, mais je ferai quand même le déplacement. Après, moi, je reste confiant. Enfin, de toute façon, je fais confiance sur tous les matchs de synthé, moi. Donc. Ouais. Pour moi, on gagnait 3-0 contre CR. Bref. Après, j'arrive pas à être objectif, en fait. Mais sinon, je pense pour moi, malgré tout, quand même, que ça va être compliqué cette saison. J'aimerais bien qu'on monte, mais je ne vois pas monter, en fait. Parce que il manque trop de joueurs. Je trouve qu'on n'a pas les recrues nécessaires. L'effectif il risque d'être faible. Et puis, il te manque quoi pour toi? Quel poste, si je peux me permettre la question? Un 9. Un 9. Et pour moi, il va falloir pallier les départs qu'ils vont avoir sur les côtés. Enfin, bon. Il y a Bouanga qui va partir, pour moi c'est une certitude. Bouanga, t'as Cafaro. Ouais, il y a Cafaro. C'est insuffisant pour toi? Pour moi, l'effectif reste maigre, en fait. Okay. J'ai peur que Batles, en fait, ce qu'il veuille faire, c'est vraiment intégrer les jeunes. Et en fait, avec ce que disait Perrin, le projet sur 2 ans, etc., je pense que l'idée, ça va être d'intégrer les jeunes, en fait. De vraiment les préparer en fait à la montée l'année prochaine. Pour moi, en fait, je le vois comme ça. Mais malgré tout, pour moi, si on monte pas, bah, ça va être la descente aux enfers après, parce que de toute façon, le club ne sera jamais vendu. On a deux clowns comme président. Pour moi, si on monte pas cette année et avec un projet solide, on montera pas tout de suite. Pour moi. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, on est sur un projet sur 2 ans. Et là-dessus, je te rejoins. Ouais. Mais je pense que, comme je disais en début de space, les joueurs, eux, sont chauds patates pour remonter cette année. Ouais, mais en même temps, ils savent qu'ils sont à Saint-Étienne, qu'ils auront toujours un public derrière eux, mais qui serait pas chaud de. Enfin, je pense que tous les clubs qui sont des candidats à la montée, parce qu'il faut pas oublier, pour moi, la Ligue 2, c'est putain de serré, la Ligue 2, pour moi. C'est pas. T'as raison. Il y en a qui pensent que Saint-Étienne, parce qu'on est Saint-Étienne, on va remonter. Faut la monter, quoi. Non. Pour moi, c'est con, mais pour moi, c'est pas que tous les clubs peuvent monter, mais tous les clubs ont une carte c'est à pas, jouer. C'est ça. En majeure partie, c'est pas con ce que tu dis, parce que tous les clubs indirectement jouent la montée, en fait. Même si pour certains, oui, c'est ça. Voilà, on va pas s'imaginer que Virou en Ligue 1, mais indirectement, c'est un objectif pour le club, bien sûr. Bah ouais, c'est clair, si parce qu'en fait, jouer, voilà, c'est clair. Ouais, pour moi, ça va être fait, ça. C'est ça, c'est que les clubs en Ligue 2 ne se battent même pas pour le maintien, ils se battent pour la montée indirectement, ce qui fait que ça fait un championnat très serré. Ouais. Non, mais pour moi, en fait, il n'y aura aucun match qui sera pronosticable, voilà, entre guillemets. En fait. Je donnerai toujours mes pronostics, ce que je pense, mais en tout cas, pour moi, tous les matchs, on pourra les gagner. Pas 3-0, parce qu'on ne mettra jamais 3 buts, on ne sait pas faire, mais on pourra gagner tous les matchs, mais on pourra tous les perdre, en fait. Surtout Saint-Etienne, et tout dépend de l'effectif qu'ils ont. Après, c'est vrai que sur le plan défensif, par exemple, moi je trouve qu'on est assez carré, c'est correct. Mais par contre, ça peut vite tourner au drame pour moi aussi. Pas de sinistrose, c'est le début du championnat. Tranquille. tranquille. Allons à Dijon et voyons ce qu'il en est. Mais après, ceci dit, je pense qu'on a quand même les moyens de faire quelque chose. Faut que le jeu de Batles prenne forme et ça ira après. C'est ça. Allez, t'as fait 3e, t'as raté d'une place le maintien, mais t'as vraiment vu du beau football.
Bah, c'est rassurant pour l'année d'après. Tu vas pas être déçu. Voilà, c'est ça. Tu seras bah, pas... en fait, même ça. Enfin, oui, c'est sûr que ce serait bien. On vivrait une bonne saison, c'est certain. Mais pour moi, remonter en 2 ans, ce sera. Enfin, en fait, pour moi, si on monte pas cette année, on remontera pas l'année prochaine. Pour moi. Même si on finit 3e, à peu de points, à peu de points de la montée, parce qu'on aura beaucoup de départs, parce qu'on se sera montré en Ligue 2, et il n'y aura pas les investissements nécessaires derrière, parce que si, sauf si le club est vendu, bien entendu. C'est surtout qu'il y a 4 clubs qui vont descendre l'année prochaine. Qui aura ouais, voilà, il y a 4 clubs qui descendent. Du coup, ouais. Ben, qui auront le, normalement le niveau de jouer la montée. Ça te rajoute encore plus de concurrence. Ah bah, bah c'est certain, oui, c'est certain. Ça. La saison prochaine, c'est la guerre. Voilà, c'est ça, c'est que là, cette année, moi, je la vois plutôt comme une année de construction, clairement. Et l'année prochaine, c'est là où on va... Année de transition, voilà, ouais. Voilà. Et ça, et l'année prochaine, je pense que c'est là qu'on pourra vraiment... Après, je suis d'accord avec toi aussi, mais est-ce que la relation de Batless avec les présidents... combien de temps elle va tenir et jusqu'à où elle va tenir en fait. Parce que moi je me dis que Batless à tout moment, peu importe ses résultats, il pourra partir. Pour moi. Hein. Parce que tu ne peux pas se les voir. C'est difficile à... Espérons qu'il reste à leur place. Espérons qu'il reste à leur place et que ça se ouais, passe c'est bien. Ça. Après alors... par contre, Gurbitch, moi, enfin il y avait une rumeur sur Gurbitch là. Dis-nous. Pour moi, si on peut le prendre, il faut le prendre tous les jours. Pour moi. Ok. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement. Mon Vincent, parce que tout à l'heure tu lèves la main, je dis il va prendre une crampe à force. Non, ça va, j'ai les bras musclés. Je vais faire court parce que moi je vais bientôt aller me coucher aussi. Déjà, bravo pour Bordeaux, c'est génial. Clairement, ça c'est cool qu'il soit en Ligue 2. Après, pour Dijon, je suis assez confiant parce qu'on a quand même une bonne structure, les joueurs s'entendent bien. Après, oui, on a nos chats noirs, ça c'est clair. Mais on a une bonne structure. Après, il nous faut un œuf. Pour Garbi, je ne suis pas trop chaud parce que le joueur, c'est l'ombre de lui-même depuis 2 saisons. Ouais, mais on verra. Tu connais le contexte de Garbi? Tout à l'heure, il y avait Raph, c'est dommage qu'il est parti. Il t'en aurait parlé de Garbi. Garbi arrive à Lorient. C'est le directeur sportif qui l'impose au coach. Le coach n'a absolument pas l'intention de le faire jouer. Il se fait boycotter par le coach et quand il rentre en jeu, le système n'est pas du tout adapté par rapport à son jeu. Ouais, c'est Ramirez chez nous, quoi. Voilà. Si on veut faire un raccourci, on peut le faire comme ça. Ah ouais, mais ça lui a quand même flingué son moral hein, parce que quand tu regardes derrière. Bien sûr, ça l'a tué. C'est un numéro 9, tu sais très bien comment ça, mon numéro 9. Hein. Bien sûr, si tu marques pas, tu perds le moral. Bah, tu le sais. Oui, ça, je connais bien le poste, mais le problème, c'est que, ouais. Après, je sais pas, parce que on a tellement de rumeurs sur n'importe qui et n'importe quoi, surtout, que c'est compliqué à dire que Gerbich. Je sais qu'il y a 2 ans, il le voulait. Bah, quand il a fait une grande saison à Clermont, il le voulait. Ah oui, il avait été supervisé à ce moment-là. L'année dernière, ils en ont parlé vite fait, mais ça s'est pas fait parce que Lorient voulait pas donner un concurrent direct. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas si on aura un prêt de Gerbich. Ça me, je sais pas. Ah, je pense que tu là, peux il avoir y a beaucoup qui nous disent pour Botoc. Bozok, c'est mort. Raph nous a dit c'est mort. Le coach il compte sur lui. Et Bozok, d'ailleurs, si ça doit partir, ça part entre 10 et 13, il nous a dit. Oui, non, mais après, il parlait d'un prêt, il parlait pas de l'acheter. Là, mais... après, avec une option d'achat en cas de remontée. Mais tu veux mettre une option à combien? Lorient, s'ils veulent le vendre, c'est 13 millions. Non, c'est mort. Ouais, je sais. Donc c'est Bozok, c'est mort. Si déjà on n'arrive même pas à s'aligner sur Gerbich, on ne peut pas s'aligner, on s'alignera encore moins sur Bozok. Même si, attention, hein, chine des deux mains et des deux pieds, hein, Bozok à Saint-Thé. Hein. Mais je pense que tout le monde. Oui, bien sûr. mais voilà. Je pense que c'est mort dans le film, comme dirait le proverbe. Et voilà, c'était juste ça. Et puis après, ouais, Dijon. Hein. Après, Dijon, c'est une équipe qui nous a toujours bien réussi. On n'a que l'année où ils sont descendus, on leur a laissé la victoire parce qu'on s'est dit que les pauvres, ils étaient déjà en train de redescendre. Mais sinon, c'est une équipe qui nous a toujours réussi. Hein. Quand on regarde sur tous les matchs qu'on a fait, on n'en a perdu qu'un seul. Donc après, il faut voir. Parce qu'Omar Daf, c'est un très bon entraîneur. Hein. Oui. Il y a aussi ça qui faut prendre en compte. Lui, c'est un très bon entraîneur.
Ah ouais, il a fait des trucs. On est d'accord, Omar Daf, c'était bien l'ancien joueur. Je suis pas fou. Oui, oui, c'est un ancien défenseur. On est d'accord. Ouais, ouais. Je suis pas taré. Non, non, oui, c'est un ancien défenseur. Il a joué à Sochaux, justement. Voilà, qui a joué. Oh, ok, d'accord. Bon, ok. Je suis pas fou. C'est bon, ça va. Et pour répondre pour Laurent Batless, il ne faut pas oublier que Laurent, il était joueur à l'époque où ils étaient déjà présidents. Il a été aussi au centre de formation, ils étaient déjà là. Non, je pense que Laurent, il sait les cadrer, les deux abrutis de là-haut. J'espère. Et puis, de toute façon, il a fait faire une promesse. Ils ont fait une promesse comme quoi ils n'interviendraient pas sur le sportif. Donc, logiquement, ils ne sont pas censés intervenir auprès de lui. Garbich qui vient de marquer un doublé ce soir, hein, nous dit Saint-Té. Ah bah c'est vrai, merci à toi pour la petite info. T'as vu maintenant, avant les joueurs, on les relançait, c'était avant qu'ils jouent contre nous. Maintenant, même quand on s'intéresse à eux, on les relance. Oui, non, mais aussi, il y en a qui se font relancer bien. Quand ils sont passés chez nous aussi. Ça, c'est modeste. Hein. Non, chez nous, non. Anthony Modeste, je le digère toujours pas. Hein. Alors, Mais vous avez vu la rumeur folle là sur Modeste? Oui, à Dortmund, oui, ouais, super. Ouais. Ouais. Ouais, bah, moi, je supporte Dortmund, donc super, génial. Non, merci. Tu vois, on va passer de Haaland à Modeste en 6 mois. Vous apprendrez à être modeste, justement. Ouais. Oh, à pas trop vouloir. Mais Dortmund, il n'y avait pas une rumeur comme quoi Aubameyang, il devait revenir? Bah, Aubameyang, il est très bien. Par ça. Ouais, mais il y a le. Avec Lewandowski qui vient d'arriver, il n'est pas sûr de jouer. À gauche. Faire, non, mais même, il peut faire un duo, peut-être. À gauche. Et Aubame, je ne suis même pas sûr qu'il ait de quoi faire les matchs entiers. Hein. Mais à gauche. Et puis même Dortmund n'en voulait pas, je crois. Il y a très peu de clubs qui veulent Aubameyang. Hein. Voilà. Je ne vais pas tirer sur Aubameyang, parce que c'est bon, j'ai assez pris de sauce comme ça ces derniers temps. Mais voilà. Non, mais Oba, il est en fin de carrière. Ça se voit, il commence à fatiguer. Mais bon, c'est vrai que... J'y pense. Ah, il en parlait, hein, vouloir faire finir la boucle. J'y pense. Comme Drogba. Par contre, qui finit... Va faire la même boucle que Drogba. Il divise son salaire par 6 alors, même plus, 7, 8. Il va faire, tu sais, la boucle de son lacet, de sa chaussure à Saint-Té. Il aurait dit, ah, il en parlait, ça y est, j'ai fait la boucle. Au moment de partir, il en parlait, il disait qu'il voulait finir sa boucle. Oui, mais c'est, voilà. Il a dit, je reviendrai à Saint-Etienne. Mot pour mot. I'm be back. Obama. Back. Bon, moi, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter bonne nuit. Je te dis à bientôt, mon Vincent. Merci à toi, en tout cas, de ton passage, toujours intéressant quand tu passes. Donc, tu passes quand tu veux, la porte, elle est ouverte. Et, comme d'hab, tu viens, tu ouvres la porte, tu te poses, tu te prends une bière et tu te mets bien. Ah, ben, je te laisse la bière, je prends un coca. Ah, enfin! Comme ça, je suis pas le seul à boire du coca. Moi, je bois aucun alcool. Très, très bien. Très, très bien. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bye bye. Prends soin de toi. Bon match, salut. Salut. Eh bien, justement, on va avancer tout doucement. Enfin, on se rapproche un petit peu de la fin de ce space. On aura fait les pronos, les pronos, c'est ça, tout à fait. On va faire la petite séance de pronos. Les pronos. N'hésitez pas à participer, que ce soit sur le chat ou venez prendre la parole là pour ceux qui veulent jouer au jeu des pronos pour le match contre Dijon. Donc plusieurs solutions, soit sur le chat, soit directement avec le hashtag Space Lagrinitude, ou alors via le @Lagrinitude pour votre prono. Sinon, le chat de Twitch, ou alors vous venez prendre la parole avec aucun problème. Mon ministre, vas-y, t'es chaud là pour faire le prono. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, je suis chaud pour les pronos et tout, je suis trop chaud. Attends, depuis 2 heures, je crois. Mais c'est ça. Le mec, il a fait ses tickets et tout. Ouais, vas-y, dis-nous. Alors, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'irai un nul, je verrai un partout. Alors, le buteur, je peux pas vous le dire. C'est impossible à pronostiquer un buteur pour en première journée. Mais je vois bien soit un partout, soit un 2 partout. Mais je vois un match nul. Un match nul. Oh, okay, un match nul et j'ai misé 10 balles. Je dis ça, je dis rien. Tu vas mettre 10 balles dessus, en plus. 10 balles. Ok. Je peux te donner mon PayPal si tu veux. Vas-y. bienvenue à toi, Rombak. Rombak nous dit 2-1 doublé de Bonga sur penalty. Quoi, 2 penalty, il marquerait Bonga, c'est ça? Ou un but dans le jeu et un but sur penalty?
Bah, en tout cas, voilà, il nous dit 2-1 pour, 2-1 pour Bonga au final. Hein. Ce ne sera pas pour Saint-Étienne, hein, si c'est lui qui met le doublé. Et Tom ou Wissan? Écoute, moi je suis du même avis que Louis. Moi je vois un partout. Par contre, moi je ne verrais pas de but. Moi je verrais bien un vieux 0-0 avec très peu d'occasions. Par contre, une domination stéphanoise. Avec des occasions okay, franches, d'accord. Mais très très peu d'occasions. C'est rare hein, les 0-0 maintenant. Ouais, mais attention. Moi j'en vois bien. Avec moi je vois bien le beau cliché du premier match, le match de la révélation. Voilà, on va voir un peu. Le match où il va rien se passer. Voilà, moi je mise sur un 0-0 et puis on verra dans 2 jours. 3. Ok. Voilà. Bon, bah pas de soucis. Ouais. Juan Lu, est-ce que tu veux jouer au prono avec nous? Alors en attendant, Gérard Bertrand nous dit un but partout et but de Camara. Ah, Camara qui marque. Et ouais, Romain moi je nous dis but de la tête de Giroudon. But de la tête de Giroudon. Ok, d'accord. Sans forcément dire une victoire, une défaite ou un nul, mais en tout cas tu vois Giroudon marquer un but de la tête sur un partout. Moi je dirais un partout un aussi. Partout. Ok, d'accord. Donc là pour l'instant il y a vraiment ouais, que Rombach qui voit une victoire de Saint-Té et notamment un doublé de Bonga. Et alors ça peut être possible. Hein, mais, on aurait pu à fond. Moi personnellement. Un sondage, eh ben vas-y si tu veux le lancer. Vas-y. Vas-y. Alors en attendant, ben moi, si je dois faire mon pronostic, effectivement, je vois aussi un but partout. On ouvre le score et on se fait revenir. Un buteur? Ouais, c'est toujours compliqué. C'était compliqué, on est d'accord. Le sondage. C'est toujours bien compliqué les sondages. N'hésitez pas à participer au sondage. N'hésitez pas à participer au sondage. De nous dire est-ce que vous voyez plutôt donc le nul, la défaite ou la victoire. Allez, c'est bon. Je vous le partage sur le mur. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop. Je suis en train de récupérer s'il y a des pronos. Alors, Maxence, bonsoir Maxence. Victoire 2-0, Lobry et Camara. Ah, une deuxième victoire. Twitch ce soir est optimiste par rapport à Twitter. On dirait deux communes différentes. C'est ça, alors c'est exactement la même commune. Il y a Jen là, on va tout de suite donner la parole à Jen. Comme ça, elle va faire son pronos. Bonsoir Jen, comment vas-tu? Salut, tu m'entends? Ouais, si je coupe le micro, forcément, ça le fait pas. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Salut tout le monde. Salut. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je prends le train en route, donc du coup, je sais pas encore ce que tu racontais. On est sur la fin de Space. Ouais. Alors, regarde, tu vas nous faire un résumé du Space. Je te pose 3 questions. Comment tu as. D'ailleurs, au passage, j'ai pas fait un sujet, on va le faire le temps que le sondage se fait. Comment as-tu vu la préparation de la Saint-Étienne? Est-ce que tu as des joueurs que tu sortirais du lot plus que d'autres? Est-ce que tu en as justement à contrario que tu ne veux plus voir jouer sous le maillot vert? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu es confiante pour Dijon? Et troisième question, ton pronostic. Ok, alors pour ce qui est des joueurs, j'ai beaucoup de mal à prononcer puisque j'ai pas suivi la préparation de très très près, mais de ce que j'ai vu, je pense qu'ils se cherchent encore. C'est une équipe en construction, donc c'est très compliqué de. J'ai pas envie de vendre la peau de l'ours, donc je leur laisse un peu le bénéfice du doute. Je pars pas super confiante, contrairement à beaucoup de monde. J'ai vu que en général les gens étaient assez optimistes. C'est pas trop mon cas. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant que tout se mette en place. Et si je dois faire un prono, j'ai envie de rester un petit peu optimiste, donc je pense qu'on partirait sur un petit 2-1, un petit 2-1 pour nous. Ah, la première de Twitter qui nous annonce une victoire de la Saint-Etienne. Et au même moment, on a le premier match nul du côté de Twitch. Un partout, c'est Sevan qui nous l'annonce. but de Cafaro à la 78e. Ah ouais, c'est un buteur.
Eh ben ouais, j'étais bien sur Cafaro, mais bah, je ne le prononce pas. Je le prononce pas. Je suis sûr de mon 2-1, on va dire ça. Mais pour le buteur, je sais pas. Moi, je dis but de Bernard Donnet. Vous allez voir, même à distance, il va marquer. Et toi, tu dis quoi? C'est quoi ton pronom, toi? Un partout. Un partout. Moins optimiste que moi, du coup. C'est ça. Un but sur corner de Colo et un but sur corner de Colo. Une égalisation de Colo. Ok. Cote à 350, je vais poser 100 balles. Je travaille pas de l'année. Allez, hop. Ah, mais c'est sûr, tu travailles. T'es tranquille, là. je suis tranquille jusqu'à la fin de l'année. Là, je me mets trop bien, là. Ça peut être pas mal. Ok. Alors, on fait un petit sujet. Alors, je sais que Jen, tu étais là hier sur ce sujet-là. On le fait rapidement le temps que le sondage se déroule. Parce que je l'ai complètement zappé. Honte à moi. On a un 3-1 qui vient de tomber pour Ghostlife 89. Doublé de Crasso et un but de Camaro. But de Duprat, nous annonce Evan. en fumant sa clope. De Romo, ouais. Donc, petit sujet, tranquillou. Donc, hier, on a appris la très, 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 très bonne nouvelle, le retour des supporters. Enfin, le retour. Ouais, si, on va dire le retour. Les supporters stéphanois qui ont le droit de faire le déplacement. Je sais qu'il y a des petites choses qui se préparent. Et ben justement, est-ce que ça vous fait kiffer ou pas? Bien sûr. La tribune où... alors, je sais déjà que les bus sont pleins. Et je sais également que la tribune où il y a le parkage à Dijon, guichet fermé. Ah oui, oui, on a tout raflé là. on y va full. Mais c'est génial, c'est une super... Alors, ça ne devrait pas être une super victoire, parce que de base, normalement, l'arrêter, je n'étais pas vraiment d'accord pour s'arrêter, enfin, je ne suis pas la seule, mais bon, ça reste quand même une belle victoire. Et ouais, du coup, alors c'est cool, hein, parce qu'on voit énormément de monde. Enfin, ça fait un moment qu'il y a des gens même sur liste d'attente pour les bus et tout. Enfin, plein de gens vont monter en indep et tout. Non, c'est cool de se dire qu'il y a autant d'engouement et que les gens sont là, malgré tout ce qui se passe, malgré les dirigeants, malgré la Ligue 2. Eh ben, c'est vraiment, vraiment top de un voir. Un grand club ne meurt jamais. Exactement. Et celle-là, je ne sais plus si c'était écrit, si c'était pas écrit dans le couloir, un grand club ne meurt jamais. Et je ne sais pas si à un moment donné, les Grimm n'avaient pas une banderole où c'était écrit ça dessus. Ouais, il y a ouais, très longtemps. Façon, ouais, si, ça me dit quelque chose. Et bah, de toute façon, il y en aura d'autres, hein, tu verras. C'est prévu aussi. C'est vraiment cool. Vraiment... 60% du stade stéphanois nous a annoncé. Facile, franchement, ça. Il y a moyen. Concernant Léry, bah, il s'est blessé en début de prépa. Ça risque d'être compliqué. Je pense qu'il a laissé passer sa chance. Qu'il va falloir qu'il cravache avec la réserve s'il veut faire un banc avec Duprat. Avec Batless. Avec Batless. Mais non, mais hey, je vous dis, mais moi, j'ai un cœur là. J'en cauchemarde, moi, les gars. Il y a la chèvre de M. Seguin et puis il y a les chèvres de Pascal Duprat. Voilà. Mais vraiment. Il en est où, ce sondage? Eh bien, pour l'instant, on est à 54% de victoire. Oh, ah, on est optimiste ici. Ah, on voit 23% de nul et 23% de défaite. Pour 13 okay. votes. Donc, okay, okay. Les gens ont l'air optimistes. Ok. Après, moi, je la signe à la victoire. Hein, mais... Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Eh, les gars, eh, je la sens, la patate. On va commencer tambour battant. Genre, on va marquer dans les 20 premières. Et on va se faire doucher en fin de match. Pourquoi tu dis ça? Non, mais on en pourquoi? Mais parce que c'est le karma de la Saint-Etienne, en fait. Non, c'était le karma la saison dernière. Non, c'est le karma historique de la Saint-Etienne. T'as vu, je te rappelle, on est le club qui a les poteaux carrés. Ouais. T'as vu, s'il doit y avoir une taupe sur le terrain qui va empêcher un but de rentrer, elle sera pour nous. La flaque d'eau, elle est pour nous. Le carton rouge, il sera pour nous. Tout, nous c'est trop. Malgré ça, on est capable de gagner. Fais confiance un peu à Batless. On sait pas. Pour l'instant, franchement, écoute, ça vaut le coup d'être optimiste. Il y a que Galtier qui avait le totem. Je sais pas s'il l'a prêté à Batless, mais voilà. Bah, laisse-lui sa chance avant de le condamner, le pauvre. Mais moi, je le condamne pas. Si je le condamne pas à dire un partout, mais moi, ça m'étonnerait pas. C'est tout.
Si ça arrive, bah, voilà, je vais pas crier en fait dans le Discord. Je serai là, je vais dire ok, bah voilà. Tu vois? Ou si je vais faire comme. Comment il s'appelle le youtubeur? Mais si, mais c'était sûr ça! C'est putain, j'oublie son nom. Marseillais là? Oh mon Ah dieu, non, le merde. dingue. Putain, comment il Sardoche. s'appelle? C'est Sardache. Mais c'était sûr ça! Mais oui! Hey, je vous jure, je vous la fais. Si ça arrive, je vous la fais. Ok, tu me feras une vidéo réaction même. Voilà. Bah, en plus, maintenant que vous Et tu connaissez pèteras ton ma siège. tronche. Ah ouais, mais maintenant que vous connaissez ma tête, je vais vous faire des saluts à tous, les amis. C'est la grignitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et je sais pas. Tu On verra la suite. feras des lives Et voilà, c'est ça. Je ferai des ASMR. débriefs ASMR. Tu l'as Tu vas dit. faire l'influenceuse, la C'est grignitude. ça, c'est ça. Tu feras des tutos make-up. Mais Exact. grave! Exactement. Exactement. Je lècherai le micro avec une voix suave et sensuelle. Ça part en couille. Ouais, c'est vrai. Redevenons sérieux un petit On peu. s'arrête là. Ouais, je pense que il est temps. Le manque de sommeil commence à se faire sentir. Bah écoutez, les amis, en tout cas, les amis avec aussi un E, bah merci à tous et à toutes. Merci à toi. Merci à tout le monde. Toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. On va se concentrer sur le foot maintenant. La saison, elle commence. On arrête les bêtises. Enfin. Et ça va faire plaisir, enfin. Bah écoutez, moi je vous souhaite à tous une très belle soirée. On se retrouve samedi, très certainement 14h, pour l'avant-match. Ouais. Avant-match, donc en space, en simultané sur Twitch. Et je verrai si je prends la chauffe pour commenter le match en plein space ou est-ce que je passerai directement uniquement sur Twitch pour commenter le match. Allez, Merci à toutes et à Doc. tous encore une fois. Merci à toi, la Bonsoir à grille. tous. À samedi, bonne soirée à vous. À Prenez soin de samedi. vous. Allez les Verts et partout toujours les amis. Partout toujours. Exactement, exactement. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Salut.